Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous rejoindre cette semaine pour vous présenter la huitième leçon de l'école du sabbat intitulée « La promesse ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour le débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, Papa, nous qui dans celle-là. Nous sommes contents, oui, pour le privilège qu'on a, nous, dans le moment ça, pour nous capables, chita, petit garçon, petite fille, pour faire travail, commander nous faire. Mais pour nous faire ça, nous avons besoin d'assistance d'esprit, que le capable de descendre parmi nous et que tout ça pour le faire, pour le dire, qu'on va faire pour la gloire de ton nom et qu'on va édifier nous pour saluer l'éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la huitième leçon du trimestre intitulée « La promesse ». Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Genèse chapitre 24, le verset premier. Genèse chapitre 24, le verset premier, il est dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » Mes chers amis, chers collègues, finalement, nous voyons comment bon Dieu t'a fait une promesse à Abraham et Sarai, nous qui t'es devenu Abraham et Sarah. Il t'a fait une promesse là, côté que yo t'a gagné yon petit garçon. Et dans vieillesse, la promesse a été faite. Donc, c'était un bagage d'après Genèse 21, le verset 2, que yo pat ka kwè, yon bagage comme ça. Finalement, Timoun nan li vin fait. Nous avons toute histoire nan, côté que Abraham essayait lui-même, li allé font premier petit avec yon servante. Mais c'est pas petit, premier petit ça que promesse n'a pas accompli. Finalement, Isaac vin fait. De selon Genèse 21, 1 à 5. Mais l'histoire d'Abraham n'est pas terminée et li loin pour que nous capable terminer. Tout simplement, nous capable dire que l'histoire est arrivée à atteindre un point culminant lorsque nous voyons que nous recevons un deuxième appel de l'Éternel pour que nous capable offrir Tigas en Isaac en sacrifice sur mon Morija. Et nous voyons que à cause de foi Abraham, bon Dieu li pat laissé sacrifier ti garçon. Nous voyons que bon Dieu te pouvoir yon bélier dans place Isaac. Et nous capable voir que bon Dieu continue béni, li continue béni Abraham à tout descendant ni, donc jusqu'à Jésus. Ça veut dire que nous capable comprendre que Jésus est dans la lignée d'Abraham. C'est ça que nous histoire ça. C'est une histoire qui est étonnante et qui en pile monde pas qu'à comprendre parce que l'histoire d'Abraham, c'est lui-même qui gagnait vraiment. C'est lui-même que le plan du salut a accompli à travers lui-même. Donc, Abraham, il prend initiative pour que le capable faire et assurer que après que Madame ni Sarah vienne mourir et nous à côté que Abraham li remarié. Et nous, à côté que lui chercher en femme, Rebecca, pour petit li Isaac, et Isaac vient marier avec Rebecca. Et durant ce maintenant, nous va voir qui ça qui passait dans la famille ça. Puisque Madame Sarah mourit, Abraham remarie avec Tekora, et nous voyons que petit garçon ni Isaac vient marier à Rebecca. Voilà pourquoi, dans la première partie, nous avons demandé à pasteur Wilfried qui ça que le capable dit nous bien sûr a fait mon Morija. Le mont Morija c'est parti dimanche là et nous pas qu'un privilège pour nous lire pour frère nous avec ce noyau Genèse 22 les versets 1 à 12 que nous connaissons histoire ça bien
Bon Dieu relé Abraham, il mandé Abraham pour l'offrir Isaac en sacrifice là. Dans Hébreu 11 verset 17 et aussi que de côté que on dit c'est à cause de foi Abraham que l'offrit enfant de la promesse là en sacrifice. Maintenant, lorsque nous regardons dans le son, hein, nous voyons Genèse 22, l'ivini un point central. C'est comme un classique littérature. One mondial, tout le monde parle de lui-même. L'homme a inspiré pas mal de philosophes. Genèse 22 a inspiré pas mal de poètes, pas mal d'artistes, et en plus particulièrement des théologiens sur signification et Genèse 22. Eh bien, bon Dieu mettait à l'épreuve, ça veut dire l'épreuve divine. Bon Dieu mettait un humain à l'épreuve. Peut-être nous capables de tester, bon Dieu, mais bon Dieu mettait un humain à l'épreuve. C'est très difficile pour nous-mêmes en tant qu'humains pour nous capables de comprendre la notion de ça. Et est-ce que bon Dieu est capable de contredire ça qu'il dit parce qu'il n'a pas demandé à Abraham pour la tuer, ce jeune garçon? Parce que dans Lévitique 18, verset 21, bon Dieu interdit, c'est une abomination pour capable sacrifier à quel que soit Dieu, à petit tout. Bon Dieu pas d'accord ça du tout. Bah ouais, qui objectif bon Dieu? Bon, relé Abraham pour l'agir de la sorte. Ça, c'est un test qui est terrible. C'est un test tout pas qu'à passer, mis à l'épreuve de manière si intense, avec tant de force. Eh bien, nous, ouais, mis à l'épreuve, en hébreu, il veut dire Missa, Nissa. Nissa, il y a englobé deux idées principales vraiment lorsqu'on parlait de mise à l'épreuve. Tout d'abord, il y a l'idée de jugement. Un jugement qui veut dire qui permet que nous capables de comprendre qui que yon moun. Un jugement, qu'on connaît ça qui a passé en dedans. Yon moun qui m'a dit ça qui a passé en dedans, pour moi, mais Missa avait dit, mettez moun à l'épreuve pour capable exprimer ça qui a passé en dedans que moun ça que mettez à l'épreuve là. Deuxièmement, Missa a tout libre assurance de la grâce de Dieu en faveur de promesses que mettez moun à l'épreuve. Bon Dieu, doit le fond bagala, bon Dieu, vous pouvez dire, eh bien, il y a, mettons à l'épreuve, ouais. Si vous avez un cœur vraiment, vous avez un désir pour tenir ça la dire. Mais bon Dieu, tout gain grâce li après tout, li mette la donne. C'est deux idées ça yo. Dans le cas présent que nous parlons à la foi d'Abraham, eh bien, bon Dieu conduit Abraham à un risque terrible pour perdre Timouni, perdre Israël, tuer Israël. Abraham fini, progéniture li, par un futur encore, prospérité li. Parce que tout espoir Abraham, c'est dans Isaac. Que il pourrait sortir une grande nation. Les pour détruire le monde, ça, son problème. Bon, la confiance que Abraham te fait à mon Dieu, il était allé tout simplement à faire exactement ça, mon Dieu, mandé là. Après tout ça, nous sommes capables la foi d'Abraham, frères et sœurs. C'est accepter, c'est quoi? Accepter et comprendre pleinement ça, mon Dieu, du monde. Même la femme, tout décide, tout définir comme accepter la volonté de Dieu dans la vie. Parfois, il y a des choses qui passent dans la vie. C'est la volonté de Dieu, on ne peut pas faire rien pour lui. On peut avoir toute foi, on peut penser foi, on peut déplacer la montagne. Mais bon Dieu, grand monde, il fait salver. Abraham agit comme ça, avec foi. Et Abraham, il a sacrifié Timonan. Nous connaissons cette histoire-là. Au lieu que le sacrifier Timonan, il mettait confiance dans mon Dieu. Lors la pluie de Koutoua, bon Dieu, stable. Bon Dieu, il y a un agneau. Il est venu sacrifier à l'endroit. À la place Timonza. On ne peut pas être le son nous tirer nous-mêmes qui chrétiens de nos jours. Parfois, bon Dieu dit nous font bagay, nous douter, nous pas mettre confiance nous en nous-mêmes, nous pas faire, nous pas larguer nous, toutes œuvres nous pas larguer confiance en mon Dieu. Deuxième leçon nous tirer dans ça, c'est tout ça Abraham fait depuis sorti dans pays lui. Il prend toute route là pendant tout temps la traverser avec bois en tête, avec des serviteurs, avec Isaac, il fait des pèlerinages, il quitte serviteur en bas, monter sous montagne là, il pote du feu dans main, il pote couteau dans main. Yon sa le fait pas capable sauver. Yon sa le fait pas capable sauver. Son seul mari de ka sauver, c'est Timouton. Timouton a représenté Jésus-Christ. Donc ça veut dire pour moi, Marvel, nous pas rien nous sommes capables de faire sur la terre. Pas rien nous sommes capables de faire dans la vie pour bon Dieu, pour l'Église. Dans tout ça que nous avons fait, nous sommes capables de sauver nous. C'est la mort de Jésus, c'est Jésus-Christ qui bat nos chances.
c'est l'œuvre de Dieu en nous qui est capable de sauver nous. C'est ça, ça qui a sauvé nous, c'est l'œuvre du Christ en nous. Donc, il soit là-bas maintenant, il montre nous sous mon Morija, eh bien, nous pas qu'à faire rien pour nous, lorsque nous confions dans l'Éternel. Bon Dieu, il y a une puissance, il y a un pouvoir pour être capable de sauver nous. Le monde Morija, son bagage n'est pas capable d'oublier, parce que c'est lui-même qui bat nos espoirs à la vie éternelle à cause de la mort de Jésus. Selon compréhension, moi, et y a un bagage qui handicapé, ou du moins qui fait foi nous régresser et non bon Dieu, c'est lorsque nous avons interrogé bon Dieu. Lorsque nous avons cherché qu'on est pour qui raison bon Dieu mandé pour nous faire bagay. Pour qui raison que bon Dieu fait tel bagay. Et nous pas jamais qu'à jouer une réponse. Nous pas jamais qu'à jouer une réponse. Et ça, gagne un vers non cantique qui dit il faut obéir sans comprendre. Sans comprendre. Mais si vous allez chercher qu'on est, pour qui raison bon Dieu mandou pour faire tel bagay, pour raison de faire tel bagay, ou a perdu la foi. Ou a perdu la foi. C'est obéir à bon Dieu et pas chercher pour comprendre rien. C'est ça que moi crois. Ya, parce que lundi, c'est Alain qui dit Dieu pourvoira. Ils sont capables de dire Dieu pourvoira. Merci, Pasteur Wilfried. Moi, salue nous. Dieu pourvoira n'a fait suite à histoire ça que vous se relatez pour nous et merci pour intervention et Dieu pourvoira nous que dans la suite moi-même gon bagage qui attire attention moi en pile pendant que vous expliquez m'a réfléchi à ça la promptitude de l'obéissance d'Abraham. Dans la soirée, il recevait un message là. De bon matin, il levait sans réfléchir, sans poser de questions, sans même consulter la maman de l'enfant, la maman du jeune homme. Il prend route là pour lui obéir à demande que papa, le Seigneur, lui adressait à lui-même. Maintenant, en route étant, tant que vous déjà dit, le jeune Isaac, il est habitué avec le système sacrificiel, là, pas vrai? Il est habitué, ouais, les éléments importants qui font partie du sacrifice. Là. Papa dit qu'il va offrir sacrifice. OK? Il prend route et il va offrir sacrifice. Maintenant, il y a un bois, il y a du feu, mais on va être habitué. C'est un bagage qui comme si qui est important pour que il y a un élément qui manquait et élément qui manquait, c'est l'élément le plus important même t'es capable de dire. OK? Mais maintenant, m'imaginer le papa également pendant toute route, dans 3 jours de marche. Mais avec qui sentiment que la fait route n'a pensé que c'est un moment de dure souffrance pour le papa qui connaît que il pral offrir petite lia et faut attirer attention nous sur ça. Dieu dit à Abraham, mais lorsque il a relé Abraham n'a appelé lui et Genèse 22 verset 1 n'a verset 2 Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham t'a gagné Ismaël, mais là il dit ton fils. Ton unique. Cela veut dire que Ismaël pas de compter pour bon Dieu. Parce que Ismaël te considéré comme un petit péché, ne te capable dire. Donc il pas importance pour bon Dieu. Donc il dit que c'est ton unique. Maintenant, on continue pour nous. Ouais. Lorsque
li rive nan wout lan. OK? Isaac non seulement t'es habitué avec système nan. Maintenant, li te grand. Li te assez grand pour li comprendre. C'est vrai la Bible pa ba nou l'âge li. OK? La Bible pa ba nou l'âge li. Gen moun ki di 37 ans, pa konnen 37 ans. Mais par contre, selon déclaration que papa a te fait avec monsieur yo, lorsqu'elle dit monsieur yo, rete là. Ouais, elle dit rete là, moi et le jeune homme. Ça veut dire que Isaac pardon ti moun piti, dit moi et le jeune homme. Nous irons dans verset 5, Genèse 22 verset 5. Ouais, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et ensuite li chargé Isaac de boire. Ça montre que Isaac, pardon, ti moun piti, semble-t-il, était même plus force, parce que papa, parce que s'il chargé, s'il prend un paquet de bois, li ba Isaac potel, veut dire que Isaac était plus en mesure pour potel, et autant pral monton gros moun. Et parce que m'ap songé longtemps, lèm te kon ap voyage avec papa mouin, lèm nan wout la avec li, li suspect li ti valise ki nan mon an tout petit a li prend li potel et Isaac c'était le fils bien-aimé de son père veut dire que si ton petit monde petit pas t'a charger le bois pour l'al monton gros monde. OK, mais maintenant lorsque li pose papa question hein, et papa lui-même qui répond ni Dieu pourvoira et lui-même de l'Holocauste. Et dans langue créole, nous dit comme ça que ça c'est ça fait pas bon Dieu lié, c'est bon Dieu connaît, c'est bon Dieu qui a occupé de ça. Ça c'est pour bon Dieu lié. Quel auteur, un traducteur biblique, Jean-Frédéric Osterwald, il dit que Dieu se pourvoirait en personne de l'agneau pour l'Holocauste. C'est comme si ça t'avait dit dans langue hébreu en réalité c'est lui-même que bon Dieu pouvoir pour l'agneau. Or, yo dit nous comme ça que dans langue hébraïque là, verbe que utilisé pouvoir qui c'est yir elo que utilisé à li ta vle di, li signifie ce pouvoir lui-même. Ou encore littéralement, c'est comme si Abraham ta vle di à Isaac, c'est lui-même même que bon Dieu prévoit pour sacrifice là. Yo te parle même langue. Nous d'accord que yo te parle même langue. Donc on pense que si c'est ça, papa a te vle di a petite là, petite là te comprendre tout, te comprendre très bien. Et je me demande, est-ce que c'est la raison pour laquelle que jeune homme là, OK, accepté porter bois. Ouais, accepté porter bois, monter mon nom. Et puis l'arrivé accepte papa marié li mette le coucher sous hôtel là ranger bois et puis tout marié le mette le coucher sous hôtel là et puis papa pral prend couteau pour li égorger li. M'pense que Isaac li vraiment joué rôle Jésus hein, li vraiment représenter Jésus qui accepté OK offrir tête li en sacrifice sinon li te ka refuse, li te ka kouri, li te ka bata avec grand moun nan. Mais li accepte tout ça. Et ou montre nou que c'était là, c'est si bon jan signification, plan salut. Donc Jésus li offri tèt li, li paye li même la peine pour nos péchés. Maintenant, à mon Morija, maintenant nous pral faire suite. Lorsque Abraham lui-même lui te dit que bon Dieu li getan wè agnoua, en réalité qui ça qui était dans tête Abraham pote ko wè personne moun qui était mort qui ressuscité li levé couteau pour aller gorge petite là peut-être dans tête il te pensait que après le fin tuer Isaac bon Dieu t'a pral ressusciter Isaac. Parce que non tête comment il va retourner à jeune madame ni sans Isaac qu'il ça pral dire madame ni
côté Isaac allé, tandis que valait promesse qui fait à eux-mêmes à travers Isaac. Yo connaît que c'est Isaac qui c'est sous Isaac que toute promesse d'Éternel yo pral réaliser. Et maintenant, mais l'Éternel mandé pour l'offrir ça pour l'offrir Isaac et il pas réfléchi là le fait. Il pas oublier que il pas dit madame ni, il pas même dit madame ni rien. OK. Mais maintenant sur le mont Morija là, nous pral comprendre bien fondé question ça. Isaac portait quoi? C'est également Jésus qui portait quoi monter mon Golgotha. C'est Isaac portait bois. OK? Qui représentait Jésus qui a accepté porter quoi monter Golgotha. Maintenant, et histoire l'anti agneau ça. Lorsque Abraham fait geste pour les gorger Isaac et que voile il fait le temps de voir qui dit que qu'on y a comprendre à quel point que Abraham lui remet et lui obéit à lui-même et que agneau a qui était retenu par corne dans petit pied bois dans petit buisson maintenant il était pointé tout droit vers Jésus et nous voyons que Jésus pour aller faire déclaration après lorsque il dit Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Donc Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. C'est un gros, c'était vraiment une délivrance vraiment. Lorsque voir parler et Abraham ouais agneau maintenant à la place d'Isaac il pral offrir à Yahweh en sacrifice. Donc le sang veut faire nous montrer que si bon Dieu t'a mandé Abraham pour tuer seul petit lien petite que le remet en pile là, c'est pas seulement pour t'éprouver foi Abraham mais également il te voulait que Abraham il prend conscience il touché par décision que bon Dieu te prend pour sauver l'humanité hein. Donc le temps que Abraham li prend pour li aller à Mont Morija, c'est une période de souffrance qui était, son période dure pour Abraham. Et bien bon Dieu tout, il était souffri du fait que seul petit lien Jésus, OK, il pral voyer li pour sacrifier li pour le salut de l'humanité. Donc Abraham li fait expérience ça tout, même expérience bon Dieu t'a gagné pour te faire. Abraham fait expérience ça tout. Et nous capable dire également pour Jésus pour Isaac. Isaac censé faire et même expérience dans tout que Jésus lui-même l'était faire. Donc en gros c'est ça nous capable dire. Non, Dieu pourvoira. Pour alors on pas cette comparaison là dans lui. Ils sont vraiment bien présentés, sister. Et 3 jours, Isaac fait marcher. Jésus fait 3 ans et demi sur la terre, à marcher. Et il fait 3 jours dans le tombeau aussi. Et Isaac peut déboire. Il monte mon, il monte mon Morija. Jésus monte mon Golgotha. Mais la différence que on humain pas qu'à mourir pour sauver l'humanité. Et ça fait Isaac pas qu'à mourir. Bon Dieu obligé vous dit agneau ça vient mourir en place. Mais soit regarder action Isaac en tant que petit, c'est là que c'est comme si c'est bon Dieu avec Jésus qui lui obéit. Bon yes. Jésus fait même bagarre là tout lui obéit à papa. Isaac était gros vraiment mais lui obéit pour te croire, pour te boire sous doline monter et puis bon Dieu fait histoire ça vraiment frappe. C'est pas seulement pour Abraham, mais pour Isaac tout pas grandi qui ouais qui n'a du papa rien et au tout de ensemble dans des voix bon Dieu. Yo tout de ensemble ouais petit mouton hein, pour dire. Donc c'est une belle expérience. Yes. Par contre, m'pa connais si m'ka ajouter. Et li très important pour les parents qui n'a mandé petit moun yo pour yo faire un bagage et puis tout nous-mêmes n'a manifesté le contraire. Donc c'est sûr Abraham Isaac Jean te wa papa li avec bon Dieu.
Donc, il n'y a pas d'agir différemment. Il n'y a pas d'agir différemment. Te faire bon Dieu confiance également, même Jean avec papa. Alors, avant moi, de Pasteur Étienne, même mot, et capable de même dire, bon, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, et ce même mot aussi utilisé dans le texte là, avant pour dire ton fils que tu aimes, c'est unique là. Moi, je me senti que bon Dieu t'es obligé de servir Abraham pour nous sentir vraiment essentiel et ça, plan rédemption, v'le dit pour nous-mêmes, je dis. Et il fait Abraham vers ça, il a étudié l'histoire d'Abraham, non, ouais, que l'état paraît difficile pour comment on monde, comment on seul petit. Et nous venons well vraiment sur la croix, comment bon Dieu t'a très ça. C'est pour dire que l'histoire d'Abraham, je vous dis, assiste, moi, il montre non que le vraiment vrai bon Dieu a un plan dans lui-même pour le capable, tout ça le dit, pour le montrer comment plan pour sauver l'humanité, moi-même, non, tout qui l'a. Pasteur Étienne, pourquoi la Bible dit Abraham le père de la femme, quoi son nom qui vraiment vient avec Abraham après expérience ça, mais sans capable de nous ajouter de mort de Sarah. Bien, c'est troisième partie, hein? Partie mardi, hein? Mort de Sarah. Donc, Genèse 22 à 23, Libanon, introduction, naissance Rebecca. Rebecca qui petite Bathuel et nous voyons côté que naissance Rebecca pral anticiper mariage qui pral gagner entre Isaac avec Rebecca. Maintenant nous voyons que même Genèse 22 23 24 eh ben li rapporte nous qui Jean que Sarah mouri. Sarah vini mouri et côté Abraham li enseveli épouse li et nan Canaran nan pays Canaran et ça pral anticiper aussi yon futur mariage que Abraham pral faire avec Ketura selon Genèse chapitre 25 1 à 4 si que nous lis ça li dit Abraham prit encore une femme nommée Ketura ou Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokskan, Médan, Madian, jusqu'à Bag et Shouak. Et il dit Jokskan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aspurim, les Letushim et les Lumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida, Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Donc, Noé, après la mort Sarah, donc Abraham l'y remarié. Guillaume Bagala, peut-être nous-mêmes, mes collègues, nous va apporter plus éclaircissement parce que m'pas ouais côté que est-ce que Isaac est marié avant que Abraham remarié. Donc, lorsque nous commentons pas nous, nous va apporter éclaircissement sur ça. Mais ça que nous voyons, après que Sarah mourit, donc nous voyons que nous connaissons l'histoire d'un côté que Rebecca est rencontrée avec Isaac et puis yo marié. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Nous ignorons la Bible pas dans nous tout détail. Dans la partie lundi, nous voyons côté Sœur Tristan. L'idée fait nous connaître que Madame Abraham n'est pas au courant. Son bagage qui dit. Donc, et ça va prendre pile temps pour que Sarah mourit après événement ça a passé dans mon Morija. Donc, peut-être en pile commentateur est capable de faire tête au travail. Peut-être c'est choc ça qui fait que Sarah mourit plus vite. Parce que Sarah vient connaître après ça qui est passé. Parce que Sarah vient au courant. Bagana pas traité dans le silence. Abraham pas juste retourné avec Isaac, puisque bon Dieu fait miracle. Et bon Dieu bail bélier. Ça va arrêter là. Sarah, c'était une femme, yo dit non, qui pas de jambes qu'on garde silence. Elle dit que toute bagaille que le pas comprendre, lui toujours poser question.
Et vous êtes capable de comprendre que Abraham fait 3 jours de marche. S'il fait 3 jours pour le river sous montagne, non? Il fait le 3 jours encore pour le retourner. Mm-hmm. Ça veut dire que Marie avec petite, non? Ils font pile temps dehors. Pas diable malheureusement. Ils n'ont aucune idée. Donc, la Bible pas dit nous qui le Saravine connaît. Est-ce que c'est là qu'ils retournent? Est-ce que c'est après des mois qu'ils n'ont pas parlé? Nous pas connaît. Mais ça qui est certain, c'est que Sarah vient au courant de l'incident. Elle vient au courant de ça qui est passé. Et nous voyons que Bagayna pas fait Sarah bien. Bien que Sarah était une femme de foi aussi, elle est toujours accompagnée Marie dans toutes épreuves, dans tout acte de foi que Marie a fait. Cependant, nous voyons que Bagayna était tripoté. Sarah, on nous dit que n'était pas le genre de femme à se taire sur des questions qui étaient importantes ou inquiétantes. J'avais dit qu'elle était posée question quand même. Et absence Sarah et silence que qui était fait non, eh ben nous ouais peut-être ça capable en cause dramatique maintenant qui arrivait à atteindre Sarah. Bon, de toute façon, Sarah était commencé âgée parce qu'elle fait petite non à 90 ans. Donc, il commençait vraiment grand monde, en pile. Donc, Sarah vient mourir. En réalité, ça que nous capables de dire, Sarah, dans tout Ancien Testament, c'est la seule femme qui mentionnait pendant pile année, et elle fait un grand impact sur l'histoire de tout événement qui passait. Et c'est ça que fait nous voir que Abraham li acheter un champ dans pays Canaan pour que le capable enterrer Sarah. Donc cela veut dire Sarah a été enterrée dans la terre promise, même puisque bon Dieu te promet yo terre promise là, eh ben nous voyons que il était enterré là. Donc nous capable voir aussi que Sarah li mouri dans pays Canaan, li enterré là, et le fait que Abraham li toujours a continué faire bon Dieu confiance, nous voyons que Abraham toute promesse que bon Dieu t'a fait il a tout réalisé, il a tout accompli à cause de obéissance à Abraham. Nous voyons que Isaac devine marié avec Rebecca, et nous va voir dans la suite, dans le son qui va venir après, qui Jean s'est arrivé, qui sa famille, qui dégâts qui fait la famille, non. Donc, la mort de Sarah, Sarah, il était très âgé, il était pour un choc, situation, incident t'es passé, hein, certainement, t'es agi sous lit, bien que la Bible pas dit si c'est ça qui tue, mais ça t'es agi sous lit, et nous voyons que Abraham, il était enseveli madame ni, dans le pays Canaan, et Isaac marié, Abraham choisit une femme pour lui, Rebecca, et Abraham aussi remarié et fait l'autre petite. Yes. Pasteur Jimmy, sans caser son mercredi, une épouse pour Isaac. Nèg a grandi, on prend tout bagage fin fait qu'on a besoin madame. Bon, les sont belles leçons pour ça, nous partir ça pour moi parce que libre à référer à nous même jeudi à par rapport à plusieurs questions que vous demandez nous dans partir ça qui fait premièrement et dans Genèse chapitre 24 qui fait tout parcours et histoire montrer nous pour ça était vraiment important où Abraham était pour équiper lui pour te faire vite te choisi yon madame dans pays Canaan même. Et de là étant, et nous tous connaissons Canaan, c'est un pays vraiment qui a des monde qui bon femme comme la Bible dit non, mais avec insisté que tu fait là, tu demandé que voici là pour te sortir. Mais de là étant, Abraham, pour mission, ça a été besoin d'un monde qui est confident pour faire. Et Abraham a choisi un plus grand serviteur qui est Eliezer pour te ordonner la mission. Ça. Et la Bible pour dire non, clair que monsieur était tellement te fait Abraham confiance, mais ça qui est plus important, hein, nous de faire bon Dieu confiance. Et l'ange bon Dieu te garde dans le parcours. Dans Genèse chapitre 24, verset 7, dit que l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là
que tu prendras une femme pour mon fils. De là étant, son bail de compte fait dans son temps, que tes membres toujours nous faire relation, choix des petits pour madame ou petit. Le son est tellement vrai et dans la partie ça, il montre que choisir une fille pour petit tout, c'est pas bail aussi facile. Et ne te quoi choix ça à moi de moi-même tout, il était fait sous direction que cet esprit bon Dieu pour te permettre que pour mettre ça t'es capable de faire. De là étant, Abraham lui-même obligé choisir un serviteur de confiance à lui-même pour être capable de faire travail ça d'après texte là. Nous voulons comprendre tout que Eliezer pas pour contre lui parce que l'ange bon Dieu était avec lui. Jean chapitre l'a montré que non, parcours de 450 km environ. Ça veut dire que de là, il a besoin yon bon Dieu avec le Saint-Esprit, des anges qui pour garder. Et l'abbé Paul dit que l'âme se rivait surprisement et mounan, mais même c'est la vie de préparer pour monsieur. Vin permettre que voyage à vin fait. De là étant, donc on histoire avec moi ou capable de lire après. Mais ça m'a attiré dans le sens, c'est que je viens comprendre. Histoire Isaac là, Libanon pile et leçon pour capable permettre que moi-même avec moi-même, comment nous louer, que comment bon Dieu, puissance bon Dieu, confiance bon Dieu, que nous le chitons, liberté de choix que bon Dieu ben nous, en même temps, lui montrer que réalité que nous-mêmes, bon Dieu, pas bien forcer nous font bagaille sans que lui-même, lui pas forcer nous-mêmes, mais lui était à nous-mêmes pour nous choisir, pour nous faire ça, pour nous faire. Et de là, donc, voilà, ouais, qu'on a dans le leçon, hein, même que Abraham, tu voulais acheter ça vraiment pour te enterrer madame ni dans Canaran, mais de là étant dans terre promise, ça te permet tout que de là insister une fille sortie qui c'est et on te dit granddaughter of Nabal qui c'est Abraham, c'est même famille puis qui vient permettre que force a fait pour que l'union a commencé pour moi-même. Mais de là étant vous comprendre dans le son tout que et qui pour faire me sentir et pour ça yon madame pour petit Abraham vous connaît que Abraham, c'est une culture que bon Dieu bali qui est un mot qui nous connaît en dans la culture avant ça qui c'est endogamie, c'est-à-dire que monsieur de marier avec propre monde en dans nation que sortir et ça a été pour nous-mêmes et pour jeudi à s'n'a comprendre que il toujours conseillé que nous toujours marier avec monde qui n'a même parti avec nous pour capable éviter on se débarrasse et même comprendre dans le sens tout qui fait permettre que jeudi à si n'a pas choisi moun, li préféré que nous fait là-dedans avec moun qui partage même foi, même domination avec nous. Pour qui ça? Parce que bon Dieu veut le comme ça pour éviter ces débats arriver parce que laisse après arriver, li pas long problème pour même et que bon Dieu pas veut souhaiter ça arriver. Et vient permettre nous que non seulement libre de choix vient permettre en pile façon de fait de là étant nous capable pour monde comme humain nous pas nous dépendre de Dieu et tout ça que n'a fait c'est vrai nous gain libre de choix mais toujours conseiller nous était en bas et puissance reconnaître grandeur bon Dieu dans tout ça que l'a fait et d'ailleurs c'est lui-même qui est auteur de ça li ban nous même li important nous-mêmes que pour nous capable toujours gain confiance l'amour la bonté bon Dieu que ça l'a fait pour nous là va arriver quand même il pas facile pour Eliezer. Il n'est pas aussi facile de me passer pour Isaac qui n'a pas rencontré Rebecca même. Mais tu fais que bon Dieu t'a voulu ça, t'a fait comme ça, que promesse ça t'a fait, et bon Dieu fidèle dans la promesse, pour ça t'a arrivé à quitter Jean, bon Dieu t'a voulu là. Et nous aurions vraiment vrai que mal, l'aime se venir fier à tout ça que fait l'histoire, dis non, parce que l'aime ça, c'était que vraiment que t'a avec lui. Et parce que là étant tout, les bon Dieu bon monde, et sous direction parent, avec Jean de Fella, l'a toujours fait au plaisir, Jean bon Dieu voulait là. D'après moi-même, c'est ça que vous comprenez dans le sens. Avec nous, qu'a dit plus. Ah oui, il est très intéressant. C'est Tristan de Zombaray là qui était très intéressant. Et au même, vous venez ajouter ce livre à ce Jimmy. Isaac suivent papa la maman. Il respectait papa. Là, papa l'offrit. Il ne va pas prendre couteau à boutier. Par contre, si mon cap fait ça, je veux dire. Par contre, pas un cap fait ça, je veux dire. Non seulement ça, mais lui, accepter papa, vous cherchez un fibouli. Quand on a foutu à 10 petits tours, mon petit, on pleure, mais. Il connaît passé. Remarquez bien ça qui passe. L'Éternel, un homme de foi, c'est vraiment extraordinaire. Lui, voyait à chercher pays, dans le pays, 450 km à vous chercher Rebecca. Serviteur, c'est un homme de foi tout. Eliezer, lui vivait prier mon Dieu. Et mon Dieu répond par la foi. Parce que Abraham, c'est par la foi. Et lorsque Fia a vu Isaac,
Monsieur pas grand rien qu'a dit encore, c'est la foi. Mon Dieu que t'as fait tout arrangement bagaille. Donc parents yo gen grand responsabilité. Si moun yo faut pour tande, mais nous même faut nous un exemple pour si moun yo. Il y a petit monde qui va tande nous c'est parce que nous par exemple. Si moun regarde nous regarde les yeux nous, il va nous par exemple pour lui. Donc le choix que n'a fait dit pour déterminer future génération par nous. Petit par nous. Et c'est nous-mêmes nous a fait ouais déjà nous-mêmes qui pasteur yo qui grand nous fait ouais. Mais les jeunes qui viennent faut nous enseigner yo dans choix que a fait, il va déterminer toute génération yo dans le futur. Donc prend pile précaution. Il y a ça que nous te dit à jeunes yo avant que vous fait ou al cherche un monde si que ou besoin pour que vous capable parler avec bon Dieu. Mandez bon Dieu pour le bon yon monde. Mm-hmm. Mande bon Dieu ça la boyon bon bagay. Yes. Pas konn ki côté que mon n'a sorti, mais si ou mande bon Dieu ou fait demande à l'Éternel, la bagré demande. C'est ça. Et puis tant tout parce que gen de l'heure. Nous fait demande là et puis nous pas retourne. Yeah, parce que nous voulait prendre devant bon Dieu. Bon Dieu très lent. Elle dit nous ouais que bon Dieu trop lent. Non, même à ce sabre, pasteur Louis, je m'en fais question comme ça. Comme étant donné, bien content, pasteur Louis et Étienne, de dire que Abraham te vint gon fil de marié. Et il dit que un époux pour Isaac, elle te fait question, hein? M'a fait comme ça, et il dit un époux pour Abraham. Est-ce que monsieur marié après Isaac? Parce que je me dis là, moi, obligé de faire comme ça juste pour faire continuer avec l'inier, Jean le son d'Abdia. Est-ce que c'est ça? Ouais. Comment ça? Expliquez-nous plus pour nous comprendre, pour auditeurs comprendre. Je pose pour Abraham. Ça veut dire que le son ça fait déjà. Je vais juste faire résumé. Nous faisons déjà, nous parlons. Pasteur Étienne font bon parti là-dedans, nous même tout passer. Il ne pose pour Abraham. Si nous lisons dans Genèse 24, verset 67, nous avons Isaac marié avant. Isaac conduit Rebecca dans la tente de sa mère. Il prit Rebecca qui devient sa femme. Et Léma ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Immédiatement, l'exercice qui suit là, c'est chapitre 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée. Donc, moun ki marié avant, papa prend précaution pour le marier, tinega. Le monsieur fin marié, monsieur a consolé, parce que soit pli bagala ou balwe, Abraham besoin consoler tout. Eh bien, consoler, monsieur, j'ai obligé bon fils tout pour consoler. Et fils, ça va, monsieur, six petits. Il y a une question avec Ketoura. Il y a un pire théologien qui pense que Ketoura, c'est même Agala, ou Aga, c'est Ketoura. Mais ce n'est pas ça du tout vraiment dans le son, parce que nous, et là, par généalogie, nous allons comprendre que Ismaël a une généalogie par et Isaac a une généalogie par. Donc, ce n'est pas question ça. Ce qui est important dans le point ça que nous faisons déjà, dans le relaté, c'est parce que Abraham séparait encore Isaac avec toute petite Ketoura. Il séparait Abraham et Isaac avec Ismaël. Il séparait Isaac encore avec tous les six Simon Ketoura. Pour quelle raison? Parce que tu as un aspect spirituel dans le bagage. Yes. Bon Dieu, mon état béni, hein? Mon bon Dieu te fait provision pour l'IA, c'était qui est? C'était Isaac. Et c'est de Isaac, Jésus-Christ va sortir. C'est Isaac qui parle grand-grand-père Jésus-Christ. Donc, mais Abraham va quitter aller comme ça. Bon Dieu a bon. Abraham fait des dons, il fait des largesses avec sa les concubines. Nous avons beaucoup concubines, et il te gagne, il vient gagne que toi, parce que mon qui était mariage là, vrai mariage là, c'était Sarah. C'était lui-même qui était bon, qui était madame mariée. Mais bon, tu te permets ça arriver. Ça qui est intéressant, là, nous lisons dans Genèse 25, m'a regardé devant nous, verset 1 à 4, et 12 à 18, nous sommes capables de voir une liste petite Abraham, même bien. Que tu vois, il y a 6 Simon, et nous avons une liste de Ismaël. Il y a deux généalogies pour nous comprendre dans la partie ça. Première généalogie, ya, immédiatement, Abraham fin marié à Ketoura. Yo ba six petit dia. Ça veut dire bon Dieu te dit Abraham, la vini papa un paquet nation. C'est pas celle Isaac qui va ba nation, mais va gagner l'autre nation encore. Si moun ke tout ra yo ba nation,
Et nous voyons encore dans la deuxième généalogie avec Ismaël, bon Dieu, tellement son Dieu qui est juste. Son Dieu qui est juste. Il est saint, il est juste. Bon Dieu fait Ismaël gagner 12 petits, même gens avec petit Isaac, pas gagner 12 petits. Les 12 tribus d'Ismaël, les 12 tribus d'Isaac. Bon Dieu récompensé. Bon Dieu tellement juste. Parce qu'il te fait Eweli, puisque vous te dit la Bali, Abraham Vingéon, père de nation. Et nous, c'est à cause de ça, nous voyons que Isaac, pour faire Jacob, pour faire petit, pour faire 12 nations, nous voyons Jésus-Christ qui va le sauver nous. Donc, bon Dieu, tenu promesse à cause de la fidélité de son serviteur Abraham, nous-mêmes, tous nous capables, bon Dieu, qu'a tenu promesse à nous-mêmes, à petit nous. Quel que soit jeune fille, jeune garçon, grand monde, quel que soit nous-mêmes, si nous tenons promesse nous à mon Dieu a tenu promesse li à nous-mêmes. Mon Dieu pas jamais fait promesse pour ne pas exécuter. Bien. Mes chers amis auditeurs et auditrices, nous attendons la vérité présente qui t'a fait dispenser à vous-même la huitième leçon de l'école du sabbat intitulée La promesse. Eh bien, à travers le son sayo, nous apprenons en pile. Nous voyons que, côté que sous mon morija, côté que l'Éternel tapé éprouvé la foi d'Abraham, côté que enfant de promesse, non, Isaac, il était finalement vint fait. Et lorsque monsieur vint grand garçon, eh bien, bon Dieu t'a mandé lui pour que lui allait sacrifier Isaac. Et nous voyons que par la foi, par l'obéissance, Abraham t'est levé, fait 3 jours de marche pour arriver dans mon Morija. Et là, lorsque le moment arrivé pour l'égorger, petit garçon, nous voyons que bon Dieu t'est pouvoir, t'est baillon bélier, un bélier t'est paraître. Donc, c'est ça mon Morija avait dit. Dieu y pouvoira. Donc, nous voyons bon Dieu t'est prend place, t'est présenté, yon agnon bélier dans place dans Isaac. Maintenant, nous voyons aussi dans la troisième partie hein, que Sarah arrivait mourir, puisque nous voyons que Abraham te répond à l'appel de Dieu. Donc, dans grand matin, il parti, il pat même dit Sarah, côté là, aller avec petit garçon. Vous capable comprendre ça? Isaac qui signifie la joie. Isaac te vient faire la joie et Abraham avec Sarah, la joie maison. Et mais qu'on y a, bon Dieu, mandé pour l'aller sacrifier lui. Donc, et c'est un bagage pour maman, toute maman sensible. Donc, nous voyons côté que Sarah, donc, l'été vient au courant. L'été vient au courant, nous ne savons pas qui l'a, mais il vient au courant qui s'est passé incident. Et nous voyons que après quelques temps, Sarah mourit. Et nous voyons côté que Abraham, l'été enseveli, madame, dans le pays canaran, puisque c'est dans le pays canaran, terre promise, non, c'est là que Sarah mourit. Maintenant, nous voyons immédiatement, après que Sarah fin mourit, eh bien, Abraham, il était à chercher une femme pour petit garçon Isaac. C'était Rebecca. Et nous voyons que tout de suite après tout, eh bien, Abraham, il était venu remarier avec Ketura, côté que il était gagné un paquet de Simon tout. Donc, c'est belle leçon, c'est une histoire qui est fascinante. L'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham et Isaac. Donc, c'est une belle histoire. Il y a un bagage qui fait vrai. C'est pas une fable que lié. C'est une chose réelle. Donc, nous apprenons en pile dans le son, hein, côté que nous besoin pour que nous faisons bon Dieu confiance. Côté que pour que nous pas douter de promesse bon Dieu envers nous. Donc, lorsque bon Dieu dit un bagage, l'a accompli promesse, non, quand même. Donc, quelle que soit façon que le passé, bon Dieu a accompli promesse. Et l'autre bagaille que nous avons apprendre, c'est que Abraham, quoi qu'il était tombé, il a fait tout ça qui n'est pas bon. Maintenant, bon Dieu est toujours kembe, alliance que l'a fait avec elle, pour qu'il soit capable de bénir et faire devenir une grande nation. Et nous voyons que ça fait à travers trois différents groupes petits, si vous voulez, à travers Ismaël, à travers Isaac, et à travers petit et Ketura, eh bien, nous voyons que bon Dieu fait Abraham devenir une grande nation. Bien, mesdames et messieurs, comme nous toujours disons,
Nous pas jamais fin gen temps pour nous bon tout commentaire qui gen dans le son yo. Commentaire yo toujours bienvenu pour nous. Ou capable toujours écrire nous dans etienneministry.org ou du moins sur ka visiter website en etienneministry.org ou soit dans email nous etienneministry@gmail.com et là ou capable voyer commentaire yo et nous apprendre de yo, pas hésiter pour que vous voyez yo. Et puis tout pas oublier nous connaît qu'on remet la vérité présente. Continuez à abonner et continuez à dire aux amis pour abonner. Et lorsque vous faites ça, on va aider nous dans le bel travail ça que nous avons fait. L'église yo aussi continue comme on connaît, nous encore dans la période pandémique. Donc l'église yo continue à fonctionner en personne et en ligne. Donc si vous voulez visiter pasteur Wilfried chaque week-end côté que la prêcher au capable sur Facebook, sur YouTube ainsi que pasteur Jimmy au capable visiter site l'église sur Alain Tristan aussi en Floride au cas ouais côté que les militer là. Et si vous voulez visiter pasteur Étienne au capable moi chaque week-end sur Facebook, sur YouTube et dans belle émission que pasteur Wilfried gagne Be a Blessing chaque jour et dans belle émission que moi gagne à l'heure de la délivrance du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Nous disons merci parce que vous t'avez suivi la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la 8e leçon qui gagne pour titre la promesse. Et pour que nous terminions, nous demandons pour que vous coupez tête et nous demandons à la sœur Alain Tristan de prier pour nous. Pour qui ça, notre Seigneur, notre Dieu, pour nous pas ta vraiment adorer ou servir ou tellement bon pour nous. Merci pour le choix que vous faites pour nous, pour que nous capables des héritiers de ton royaume de gloire. Merci pour cette leçon encore que vous souhaitez montrer nous sacrifice que vous avez fait, pour nous capables de comprendre le sacrifice que vous avez fait en nous donnant Jésus-Christ ton Fils pour être capable de sauver nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de mettre la leçon en pratique et donne également la possibilité à auditeurs nous pour bien comprendre le sens et mettre en pratique et surtout bénir de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Vous t'attendez la vérité présente qui t'avait présenté la 8e leçon de l'école du sabbat qui gagne pour titre la promesse. Nous disons merci parce que vous t'avez suivi la vérité présente et nous bon rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est le serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Sœur Dina Jean-Baptiste. Allez, on cap toujours dou les remons en pile. Nabdou, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat. Bon sabbat.